Bonjour de nouveau. Oui, je vais essayer de brosser un portrait un peu général sur la radiologie, puis j'espère qu'on se complétera avec Claude Dantaire sur un aspect ou un regard peut-être croisé sur les différents enjeux éthiques. Et j'ai pris quelques exemples pour illustrer un peu ce qu'est le champ des dimensions de la radiologie. C'est aussi pour présenter à ceux qui ne sont pas radiologues parmi nous, finalement une version qui est une vision en tout cas qui est la nôtre de notre métier, qui est un métier évidemment passionnant. Et qui est tout sauf un métier d'interprétation d'image, puisque c'est la vision qu'on a habituellement d'un radiologue qui est devant un négatoscope, qui regarde une image et qui l'analyse. Et je vous montrais que, évidemment, on ne serait pas autant passionné si on ne faisait que ça. Et c'est toutes ces dimensions-là que je vais essayer de vous exprimer. Alors, on va commencer par quelque chose de très, on va dire, un peu terre à terre, mais qui est ce qu'on appelle un référentiel métier. C'est-à-dire, c'est quoi le métier d'un radiologue? On a la chance d'avoir, sous l'égide de notre Collège d'enseignants de radiologie de France, un peu redéfini ce qu'était un référentiel métier. Et je vous ai cité in extenso ce qui est la définition, on va dire, d'un radiologue. Alors évidemment, la première chose, c'est que c'est un médecin. Faut le dire, parce que de temps en temps, dans nos structures et dans notre langage technocratique, on entend plus parler de plateau médico-technique, comme si un patient allait venir en radiologie sur un plateau industriel, par opposition à une chambre dans un service de soins, où tout de suite, on a une espèce d'ambiance qui est un peu différente. Donc, on tient beaucoup à cette notion, évidemment, de médecin qui délivre des soins radiologiques. Et délivrer des soins radiologiques, ça s'exprime à la fois par des actes d'imagerie diagnostique, mais aussi par des actes de radiologie interventionnelle. La deuxième chose qui est très importante, c'est la notion de responsabilité des actes. Nous ne sommes pas là que pour interpréter et faire des comptes rendus, mais bien pour engager notre responsabilité dans une chaîne de prise en charge et dans une chaîne de soins. Nous sommes par ailleurs garants d'une réalisation juste et adaptée d'un acte d'imagerie. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, puisque là encore, on a l'impression peut-être dans la société civile, que l'acte de radiologie est un acte qui est construit par un industriel qui a fabriqué l'appareil qui fait les images. Et vous verrez que c'est tout sauf ça. Et puis, on a un rôle clé dans le diagnostic, mais aussi le traitement et la protection des patients avec des stratégies de prévention. Et finalement, toutes ces étapes sont la construction d'un parcours de soins radiologiques qui vont nous amener à avoir des questions, on va dire, éthiques. Et si on remet en place maintenant tout ce que je vous ai mis dans le processus de soins, je vais essayer de vous détailler par ce processus de soins qui se détaille en 6 étapes distinctes, ce qu'est le travail d'un radiologue au quotidien. La première chose, c'est que nous sommes face à un patient qui vient avec une demande, en général qui est une demande d'acte radiologique, qu'il faut plutôt percevoir comme une question, avec une question qui est basée sur une demande, qui normalement doit mentionner des éléments qui nous permettent de répondre à une question clinique relativement spécifique. Ou bien, dans le cadre par exemple des stratégies de dépistage, d'avoir une inclusion populationnelle et de vérifier si les patients qui nous sont adressés répondent bien à cette définition d'inclusion populationnelle. Par exemple, dans le dépistage organisé du cancer du sein, entre 49 et 74 ans, une patiente est éligible à faire un dépistage organisé de cancer du sein avec aujourd'hui un cliché mammographique tous les 2 ans. Voilà, ça c'est le standard. Donc, analyse de la demande. La deuxième chose, c'est qu'une fois que nous avons cette demande, il y a un travail qui va être de l'adaptation de l'acte, avec un choix naturellement d'une technique. Et l'objectif, si on veut le résumer, c'est faire ce qu'il faut sans rien faire de trop. Pas d'exposition inutile à des rayonnements ionisants, substitution lorsque c'est possible entre 2 examens vers celui qui est le plus informatif mais qui expose le moins à faire des risques. Et finalement, adaptation même dans la réalisation de l'examen avec ce que nous appelons dans notre langage des protocoles d'acquisition qui sont une prescription que nous faisons à la machine de dire comment nous voulons avoir des acquisitions d'images. La troisième étape, qui est celle qu'on connaît le plus, c'est la rédaction d'un compte-rendu qui va traduire notre interprétation des images, mais maintenant de moins en moins des images, de plus en plus des données. Donc, interprétation de données pour aboutir à un compte-rendu. Une analyse des résultats qui ne se base pas que sur l'analyse des images, mais aussi sur une intégration d'un dossier finalement patient où autant les examens biologiques que les examens cliniques sont des éléments importants. Et puis enfin, point qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est un temps d'explication. Et naturellement, on reviendra sur cette notion de temps d'explication du médecin. Et puis enfin, une étape qui est fondamentale, qui est celle de l'orientation et de la prise en charge des patients. Car au-delà de l'acte radiologique lui-même, il y a comment est-ce qu'un patient va sortir de cet acte radiologique et engager un parcours de soins. Dans bien des situations, si on fait quelque chose de simple, je sors d'une piste de ski, j'ai mal au tibia, je suis tombé, j'ai une fracture.
Le travail ne s'arrête pas à simplement dire il y a une fracture. Où va le patient? Qui l'adresse? Comment est-ce qu'on est justement pris en charge? Voilà autant d'exemples qui montrent que toutes ces étapes et à toutes ces étapes clés, il y a sans doute des réflexions sur justement des aspects qui vont questionner notre métier. Sur la partie de l'analyse de la demande, un terme qui revient souvent dans notre langage qui est la justification d'un acte. La justification d'un acte, elle répond d'abord et avant tout à une sécurité individuelle. Est-ce que j'ai le droit d'exposer un patient à cet acte? Et tout acte médical est un acte potentiellement à risque, ne serait-ce que, par exemple, sur une radiographie, l'exposition à des rayonnements ionisants. Est-ce qu'une sécurité individuelle est garantie par la réalisation de cet acte? Et puis, ça répond aussi à un souci de pertinence. Et ça, c'est à la fois une rationalité individuelle. Est-ce qu'il est pertinent pour ce patient d'avoir cet acte, mais aussi populationnel? Et sans doute que dans des exposés que nous aurons dans la matinée et cet après-midi, on reviendra sur est-ce qu'il est pertinent de peut-être prendre une place d'examen pour faire ce patient-là, alors que ce n'est pas justifié et que peut-être d'autres patients ont plus besoin d'avoir cet acte. Donc, vous voyez que cette analyse de la demande est déjà relativement complexe. Deuxièmement, lorsqu'on va adapter l'acte, il y a une étape d'optimisation. Et cette optimisation, c'est un travail qui est radiologique, appuyé aussi sur de la technique, mais comment est-ce que je peux justement optimiser mes façons d'acquérir des images. Troisièmement, l'analyse, c'est un vrai processus d'intégration et c'est là où le sens médical prend tout son sens, justement. C'est-à-dire, c'est arriver à intégrer des données qui ne sont pas que de l'analyse d'image, mais qui sont nourries aussi par l'expérience que nous avons, par nos discussions avec nos collègues d'autres spécialités, par cet enrichissement qui fait que nous sommes capables de construire un compte-rendu qui est adapté à une prise en charge directe d'un patient et de sa maladie. Alors, au travers de tout ça, quels sont les enjeux aujourd'hui? J'ai pris quelques exemples pour l'illustrer. La première question, ça paraît simple, et puis on est dans la maison de la radiologie ici, à la Société française de radiologie, on a l'impression que le monde est parfait et que tout va bien. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les patients ont un accès facile finalement à cette expertise radiologique et à ce long fleuve tranquille que je vous ai présenté en introduction? Alors, ce n'est qu'une introduction, et cet après-midi, il y aura un focus particulier du professeur Catherine Adamsbaum sur cet aspect de tri en radiologie. Mais si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les délais d'attente moyens en France pour un rendez-vous d'IRM, un médecin oriente un patient, exprime qu'il a besoin d'une IRM pour aboutir à un diagnostic ou pour optimiser une prise en charge. Aujourd'hui, le délai moyen, il est resté constant ces dernières années, malgré une augmentation du parc. On est en moyenne à 30 jours d'attente, en moyenne pour une IRM. Il y a sans doute des situations différentes en fonction des régions, mais on voit bien que malgré l'augmentation du parc, on reste à stagner. Alors, c'est un contexte général de difficulté d'accès à la démographie médicale. Et quand on reprend les dernières données qui sortent sur toutes les spécialités, on voit bien que ce n'est pas que un enjeu d'imagerie médicale. La seule différence, c'est que nous sommes encore plus en difficulté, car aujourd'hui, il n'y a aucun processus de prise en charge de soins qui ne passe pas par de l'imagerie. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais la réponse qu'on nous apporte, c'est souvent optimiser les choses, faites des outils digitaux, développer des outils digitaux, ils vont répondre à ça. Parce que sans doute, l'organisation humaine est toujours considérée comme imparfaite. Ça aussi, c'est une vraie question. Souvent, notre constat, c'est que les outils digitaux eux-mêmes sont une source, finalement, de désorganisation des planifications. On prend un rendez-vous comme on prend plein de choses, plein d'options, on les annule ou on les annule pas, et puis on désorganise cette justification populationnelle ou cette pertinence populationnelle. C'est-à-dire finalement, on est un peu partout et puis en fait, on est nulle part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les outils digitaux sont adaptés à une partie de la population. Notre population vieillit. Les stratégies de prise en charge ont fait qu'on a augmenté évidemment la durée de vie sans maladie, mais parfois aussi la durée de vie avec maladie des patients, et que tous les patients ne sont pas adaptés à ces outils digitaux, notamment les patients fragiles ou précaires. Et je citerai l'exemple d'un patient qui se présente dans notre département pour prendre un rendez-vous de scanner, qui est convaincu que c'est un rendez-vous de scanner qu'il prend, alors que la demande qui a été faite par son médecin est celle d'un fibroscan, c'est-à-dire une mesure d'élastographie en échographie, donc qui n'a rien à voir avec la demande qui est faite. Donc, le degré d'appropriation de la compréhension des actes radiologiques est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, premièrement, c'est difficile d'accéder. Et puis, je vais prendre cet exemple parce que j'aime bien nos réflexions pour même nos comportements dans nos services, qui est repris d'une publication qui m'avait beaucoup marqué en 2013. C'est l'histoire d'une étudiante en quatrième année de médecine qui présente une douleur tibiale aiguë à la fin de son dernier entraînement de marathon.
Alors, cette douleur, elle persiste, elle est étudiante en médecine, elle se dit, j'ai peut-être une fracture de fatigue, c'est une fracture, une contrainte osseuse après un marathon un peu prolongé. Et elle a consulté son médecin généraliste qui lui a demandé de réaliser une radiographie de jambe, ce qu'elle fait, et puis la radiographie qu'elle a fait à côté d'elle, et qu'elle a eu, le rendez-vous, elle l'a eu rapidement. Et la radiographie ne montre aucune anomalie. Et puis elle s'inquiète, elle a un marathon dans 15 jours, et puis elle est étudiante en médecine, elle discute avec ses collègues, et puis elle se dit, mais dans ma formation, j'ai appris que l'examen le plus sensible, c'était une IRM. Mais si j'ai une fracture de fatigue, peut-être que j'aimerais bien passer une IRM, oui, mais les délais d'accès, ils sont longs. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte son collègue, le docteur Smith, qui est radiologue, et elle lui dit, voilà, j'ai mon marathon dans 15 jours, tu comprends, j'ai encore mal, est-ce que tu pourrais pas m'intercaler entre deux patients et faire mon IRM? Et le docteur Smith se retrouve finalement dans une espèce d'empathie, peut-être faire de la place pour prendre en charge cette patiente. Alors ça paraît anodin et c'est une situation que nous vivons tous les jours, que ce soit avec des collègues de nos services à côté, d'amis qui nous contactent. Et finalement, cette difficulté d'accès, ça pose un problème aussi. Et encore une fois, je suis très heureux qu'il y ait cet après-midi un focus tout particulier sur le tri, parce que quelque part, ça c'est un tri positif, entre guillemets. Mais c'est un tri négatif vis-à-vis d'autres. Parce que si on met cette patiente dans la machine, on ne met pas d'autres. Et puis ça questionne plein d'aspects. D'abord le degré de connaissance. Et c'est pour ça que c'est très important que les patients s'approprient les connaissances. Parce qu'on voit bien que là, cette jeune étudiante, c'est parce qu'elle a des connaissances qu'elle sait qu'il faut demander cet examen. Elle ne l'aurait pas fait si elle n'avait pas ses connaissances. La deuxième, c'est les circuits parallèles qui se mettent en place. Quand il y a une difficulté, une société organise des circuits parallèles pour justement essayer de contourner ces difficultés. Et puis troisièmement, comment est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on est comme dans un supermarché, premier arrivé à la caisse, premier servi, ou est-ce qu'on essaye de médicaliser et comment on le médicalise? Et puis quel regard sociétal on porte là-dessus? Vous voyez que déjà, ne serait-ce que sur qui rentre dans une machine, il peut se poser des questions tout à fait intéressantes. Bien sûr, ces questions ne sont pas propres à l'imagerie médicale, mais encore une fois, comme il y a beaucoup d'examens d'imagerie qui sont réalisés, c'est sans doute là où il y a beaucoup de contraintes et ces questions nous paraissent tout à fait essentielles. Deuxième question que je voulais juste aborder, c'est faut-il toujours tout faire? Et est-ce que, tant pour les actes diagnostiques qu'interventionnels, est-ce qu'il faut tout faire parce que, entre guillemets, c'est anodin? Un acte radiologique, on entend toujours parler, y compris dans les actes interventionnels, que les actes sont maintenant mini-invasifs. On remplace des chirurgies par de la radiologie interventionnelle. Alors, cette question, on sait que d'abord, ces actes, ils sont de plus en plus réalisés, les actes d'imagerie. Parce que les actes d'imagerie diagnostiques sont nécessaires pour définir beaucoup de stratégies thérapeutiques. Quand on regarde, par exemple, comment sont maintenant mis sur le marché les médicaments, la quasi-totalité des médicaments maintenant sont évalués sur des réponses radiologiques ou des effets radiologiques décelables, et non pas forcément sur un point d'évaluation qui serait la guérison prolongée ou la rechute sans récidive. C'est-à-dire que l'endpoint n'est pas finalement une satisfaction que clinique. Il est une satisfaction sur l'analyse des images qui montrent une réponse objective, une stabilisation, une absence de progression. Mais est-ce que la justification d'un acte, elle repose uniquement sur ce bénéfice à titre individuel d'un patient, ou bien est-ce qu'elle ne doit pas justement répondre à un bénéfice populationnel? C'est-à-dire finalement, est-ce que c'est pertinent de faire cet acte qui paraît avoir un bénéfice individuel dès lors qu'il n'y a pas un bénéfice populationnel global à une population qui est soumise à une maladie? Et la question se pose encore plus pour les actes de radiologie interventionnelle. On voit de plus en plus des actes de radiologie interventionnelle comme des alternatives à des prises en charge parfois lourdes. Tassement vertébral, c'est-à-dire une vertèbre du dos qui se comprime. Avant, c'était la chirurgie. Aujourd'hui, on injecte du ciment, ce qui permet de restituer de façon absolument phénoménale des capacités de mobilité des patients, ce qui est une vraie transformation. Donc, il y a des bénéfices tout à fait vrais. Mais pour autant, est-ce que parce que c'est mini-invasif, il faut le faire à tout le monde? Est-ce qu'on s'interroge sur les demandes des patients sur des actes de radiologie interventionnelle, ou est-ce qu'on n'est pas à pousser vers des actes en disant, après tout, c'est anodin, on peut le faire de plus en plus? Là encore, c'est une question. Et bien sûr, il y a des choses qui encadrent ça. C'est que dans les maladies graves, notamment dans le cancer, vous savez qu'il y a les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et donc, ils vont permettre de partager les connaissances sur l'existence de ces actes de radiologie interventionnelle. Donc ça nous permet, nous, radiologues, de porter justement la voix sur des actes qui sont des substitutions à des actes plus lourds, mais ça permet aussi à d'autres spécialistes
de nous peut-être donner des limitations sur ce que nous sommes en droit de faire, parce que peut-être que nous ne devons pas faire à tout le monde des actes, parce que simplement, ils sont mini-invasifs. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation qui revient dans des revues radiologiques sur des questionnements éthiques, la notion de acte. Est-ce que c'est un acte palliatif ou est-ce que c'est un acte futile? Cette distinction-là, dans des pathologies ou dans des maladies graves, c'est quelque chose qui nous interroge. Bien sûr, en interrogation éthique également, le consentement, la notion d'information sur les complications et les compétitions ou les collaborations avec d'autres spécialités, vous l'avez compris, c'est des enjeux, ça aussi, tout à fait, à la fois dans nos domaines de spécialité, mais sur lesquels il nous semble que la société doit aussi répondre. Troisième point que je voulais aborder, c'est que voir, et puis surtout que dire, et comment le dire. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez qu'il y a un cadre réglementaire très clair sur l'information médicale, il y a un cadre législatif. C'est-à-dire que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, et cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. C'est le code de santé qui s'applique également à nous, radiologues, ce qui veut dire que nous avons la responsabilité d'informer le patient sur, finalement, les résultats des examens que nous avons faits. Naturellement, ceci n'est pas contradictoire avec le fait que nous devons respecter la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. Et ce n'est pas non plus contradictoire avec le fait que l'information, elle doit aussi remonter auprès des médecins qui ont demandé des actes. Et c'est particulièrement important lorsque un patient exprime sa volonté de ne pas savoir au terme d'un examen d'imagerie ce qui a été réalisé et que les découvertes que nous faisons sur un examen nécessitent une prise en soin ou des soins aigus ou à échéance relativement rapide naturellement. Mais pour autant, que cherche-t-on dans l'image? On cherche à répondre, je vous l'ai dit au départ, à une question clinique. Mais aujourd'hui, on voit plus que ça. Alors, on a pris l'habitude dans notre jargon d'appeler ça, on découvre des incidentalomes, c'est-à-dire qu'on découvre des choses par hasard. Mais maintenant, ça va même au-delà de découvrir des choses par hasard. Quand on fait un acte de scanner, par exemple, un scanner du ventre, pour, par exemple, quelqu'un qui a mal au ventre et qui n'a pas d'appendicite, le compte-rendu pourrait s'arrêter à pas d'appendicite. Oui, mais les coupes sont passées un peu sur la cavité cardiaque, qui est juste au-dessus, et sont passées vers les muscles du ventre. Et sur la cavité cardiaque, on trouve des calcifications des coronaires. Et puis, on trouve que les muscles sont relativement ce qu'on appelle atrophiques, une masse musculaire qui est toute petite. Et ça, maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est un facteur pronostique à risque qui met à risque la survie du patient. On sait qu'un patient qui a 50 ans a des calcifications coronaires tritronculaires, a une masse musculaire qui est inférieure à un certain seuil, c'est-à-dire qu'il est sarcopénique, a un risque plus élevé de mourir dans les 10 ans qui viennent. On doit le dire, le patient était venu pour une appendicite. Est-ce qu'on a expliqué avant au patient qu'on venait et qu'en plus on allait voir des choses nouvelles? Donc, au-delà de ces découvertes fortuites d'incidentalomes, on rentre dans cette imagerie qu'on appelle une imagerie prédictive, mais aussi d'opportunité, c'est-à-dire par opportunité, on a eu l'occasion de découvrir des facteurs de risque. On comprend bien que si ces facteurs de risque peuvent amener une correction, c'est absolument fondamental de les détecter. Limiter un diabète, découvrir une hypercholestérolémie, on peut avoir des éléments pour le corriger, mais découvrir des choses avec un potentiel grave sans correctif, ça nous préoccupe, parce que quelle explication, du coup, donner à ces patients. Et naturellement, ça nous pose la question, alors est-ce qu'il faut mentir? Est-ce qu'il faut mentir à un patient? Alors, dans notre culture et dans notre formation médicale, on a vraiment la notion de paternalisme. Et ça reste encore prégnant dans nos facultés. C'est-à-dire que finalement, on nous apprend, on nous inculque que quelque part, c'est extrêmement traumatisant de donner une information à un patient, que le patient n'est jamais prêt, qu'il ne sera jamais prêt, et que bref, il faudrait presque prendre des rendez-vous sur 15 jours pour expliquer. Je pense que cette notion doit exploser. Je pense que la problématique en radiologie, elle est parfois complexée par un faux sentiment qui est qu'on ne peut pas connaître son patient comme si les médecins connaissaient toujours tous leurs patients. Il y a bien une fois quand on rencontre un médecin, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on rencontre un oncologue, c'est la première fois qu'on rencontre un radiothérapeute, c'est la première fois qu'on rencontre un chirurgien. Bien sûr, quand une chronicité s'installe, on connaît son patient, mais dans la première fois, on ne le connaît pas. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on se pose des questions et qu'on ne soit pas toujours à vouloir rechercher le mensonge, mais qu'on soit plutôt à chercher des alternatives. Et j'aime bien ce test de publicity de Bock. Est-ce qu'il y a des alternatives vraies qui sont possibles au mensonge, évidemment?
Est-ce qu'il y a des vrais arguments moraux pour contre le mensonge et les omissions? Et puis, que penserait un public raisonnable des attitudes que nous avons vis-à-vis d'un patient? Je crois que si on raisonne comme ça lorsqu'on va à la fin d'un examen, par exemple scanographique, parler à nos malades, je pense que ça nous aide aussi, nous, radiologues, à savoir que dire. Dernier point, l'imagerie à l'heure de l'intelligence artificielle, parce qu'on voit tous dans les journaux que finalement, il n'y a plus d'interprétation par un radiologue. Tout ce que je vous ai dit, c'est mythique. Maintenant, c'est l'ordinateur qui va nous sortir un diagnostic. Il faut quand même revenir sur ce terme d'intelligence artificielle qui n'est pas si nouveau que ça, qui date de 1955. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les origines de ce Big Bang, il faut revenir sur le premier rassemblement qui avait lieu au Dartmouth College dans le New Hampshire et qui avait été une réunion d'informaticiens pour proclamer ce qu'allait être l'intelligence artificielle. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que leur définition de l'intelligence artificielle, c'est basé sur l'hypothèse, que tous les aspects de l'enseignement et de l'apprentissage peuvent et toutes les autres formes d'intelligence peuvent être expressément décrites telles qu'une machine peut le reproduire. Donc, toute forme d'intelligence peut être décrite finalement comme un processus, et il suffira de dire à un ordinateur, voilà le processus, pour qu'on puisse le traduire. Et puis, évidemment, c'est venu percuter 60 ans après par cette publication qui a été reprise dans Le Monde il y a un an à peu près, qui a montré qu'en fait, quand on regarde de façon appropriée, ben, l'œil de l'intelligence artificielle, entre guillemets, il interprète moins bien qu'un radiologue. Donc 60 ans après, il y a une espèce de hype, on s'est dit, super, l'intelligence artificielle, ça va tout remplacer, et puis on se rend compte que c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? En fait, on le savait depuis le début. Ce que les ordinateurs ne savent pas faire ou ne peuvent pas faire, ben, les ordinateurs ne peuvent pas répondre à toutes les hypothèses qui ont été formulées dans le New Hampshire en 1955. Et en particulier, prenons un exemple, on sait marcher. Est-ce qu'on sait décrire le processus de marcher? Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi on marche, comment on marche? Je mets le pied, quel est mon appui? On ne sait pas l'expliquer. D'ailleurs, on n'apprend pas un enfant à marcher, il marche tout seul. Ça s'appelle l'expérience et l'intuition. Et l'expérience et l'intuition, ça ne s'apprend pas. Et finalement, dans notre métier, cette notion d'empirisme, d'induction, et aussi de confirmation et d'analyse scientifique, est sans doute un aspect extrêmement important. Bien sûr, ces données sur l'intelligence artificielle, ça donne l'objet, ce n'est pas le focus aujourd'hui, mais de recommandations, je ne vais pas rentrer là-dessus, ce d'autant que, et je remercie Catherine Ahrensbaum qui nous a fait passer cette communication, ce communiqué de presse autour de la publication du Comité national pilote d'éthique du numérique sur des recommandations formelles sur l'utilisation de l'échelle d'intelligence artificielle, qui répondent vraiment beaucoup à ces aspects que la Société française de radiologie défendait sur l'intelligence artificielle. Voilà. Au total, je pense que le médecin, on est d'accord qu'il soigne le patient dans une relation individuelle. L'éthique médicale, finalement, nous pousse à nous questionner sur nos exercices. Vous avez compris pourquoi est-ce que je suis à la fois passionné de faire de la radiologie, de l'imagerie médicale, et aussi pourquoi il y a un lien absolument fondamental sur cette spécialité avec les questions éthiques, qui sont prégnantes dans tous les parcours de soins. Et je pense que cette maîtrise de l'automatisation, les temps d'échange qu'on est capable de générer sont des questions tout à fait importantes. Et finalement, sur tous ces aspects-là, de l'acte médical, de la responsabilité, de la communication dans un entretien après un examen, d'utilisation du digital, de formation et d'éducation des populations, il y a autant de questions et donc autant d'ateliers éthiques à construire ensemble avec la SFR. Voilà, je vais inviter Claude Ganter maintenant à nous rejoindre parce qu'on enchaîne peut-être ou hein, Oui, comme ça. avec tout.